2021, nous sommes réunis aujourd'hui afin de célébrer une étape importante de la vie chrétienne d'Amalia, Clélia, Clémence, Florent, Pierre, Noélie, Rose, Thibaut et Timéo. Je pense que nous sommes tous très heureux de pouvoir nous réunir pour les accompagner et profiter avec eux de ce grand moment qui va leur permettre de partager pour la première fois le corps du Christ. Je vous souhaite donc à toutes et à tous de vivre avec vos enfants une très belle journée. Pardon à tous.
conduisent à la vie éternelle. Ensemble, chantons la gloire à notre Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Et j'avais les choses.
est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, après la Pentecôte, nous célébrons aujourd'hui le mystère de notre Dieu en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la profession de notre foi. Notre Dieu en qui nous croyons est Dieu Père, Fils et Esprit Saint. En célébrant aujourd'hui Dieu en trois personnes, nous célébrons Dieu communion en qui existe une relation d'amour. Et nous sommes appelés à devenir à la fois chrétien, témoin, prophète de la communion que Dieu veut réaliser en tous les hommes, en un seul corps et même esprit. Et en ce qui fait, grande est notre joie d'accueillir nos enfants qui vont recevoir pour la première fois le corps du Christ. Oui, chers enfants, Amalia, Clélia, Clémence, Florent, Pierre, Noélie, Rose, Thibault et Kiméon. Ce matin, en ces grands fêtes de Dieu Père, Fils et Esprit, vous allez pour la première fois recevoir le corps du Christ. Un grand jour pour vous, pour vos familles, mais aussi pour Dieu et pour toute la communauté paroissiale. Parce que aujourd'hui, en recevant le corps du Christ, et à chaque fois que vous viendrez à la messe et que vous communierez, vous exprimez ainsi votre désir de recevoir le Christ dans votre vie, de laisser sa parole être en vous lumière, tendresse et vie. Par ce geste, le Christ sera présent en vous. Il établira sa demeure en vous, car il nous aime tous. Mais aujourd'hui, il veut vous donner sa vie pour une relation particulière, spéciale, avec chacun et chacune de vous. Si Jésus,
s'est fait nourriture, c'est d'abord pour combler nos âmes. Car en communiant chaque dimanche au pain qui est le corps du Christ, vous nourrissez votre âme et vous deveniez de plus en plus semblable à Jésus lui-même. Plus vous communierez à son corps, plus il pourra vous nourrir de sa vie et vous faire grandir. Il viendra vivre en vous, aimer aussi les autres à travers vous. Lorsque nous recevons Jésus présent dans l'esprit consacré, nous accueillons en nous Dieu lui-même. Et l'Eucharistie, chers enfants, est le signe du grand amour de Jésus pour chacun et chacune de vous. Laissez-le grandir en vous. Laissez-le habiter votre cœur. Laissez-le cheminer chaque instant et chaque jour avec vous à partir de ce jour où vous le recevez pour la première fois. C'est pour cela que le Seigneur veut établir en vous un lien d'amitié particulière, une amitié qui vous fait donner de la joie, une amitié qui vous fait grandir en étant toujours aimé par lui. Et pour être l'exemple que vous êtes aimé par lui, dans le quotidien, vous devez le prouver par votre attention, votre travail bien fait à la maison, à l'école, en écoutant les parents, en vivant dans la joie des parents, car en travaillant et en vous appliquant, Jésus est content et vos parents sont contents. Du courage à vous. Persévérez dans le travail. Persévérez dans l'amitié avec le Seigneur. Persévérez de rencontrer Jésus dans l'Eucharistie, à chaque Eucharistie. Permettez-moi aussi de tourner vers vos parents, vos amis, vos parrains, marraines. Chers parents, vos enfants vivent aujourd'hui un moment important de leur vie, après le baptême. Ils veulent bien continuer à grandir dans leur amitié avec Jésus. Mais ils auront toujours besoin de vous. Ils auront besoin de vous pour grandir dans cette amitié avec le Seigneur. Ils auront besoin de votre témoignage et de votre aide. Ils ont besoin de voir que vous aussi, cette amitié avec le Christ est importante. Soutenez-les et que la grâce du Seigneur vous garde et vous fortifie pour les encourager dans les aumôneries, pour qu'ils puissent continuer à rencontrer Jésus, puissent continuer aussi un jour recevoir le sacrement de la confirmation qui fera que des adultes dans la foi. Merci déjà à vous pour ce travail que vous ferez. Merci aussi pour tout ce que vous réaliserez encore pour nos enfants afin qu'ils puissent grandir dans leur foi. Chers frères et sœurs, vous tous rassemblés dans le Seigneur, Dieu, Père, Fils et Esprit, qui veut toujours nous témoigner son amour infini. Vivons dans cet amour qui vient de Dieu, surtout en ce moment de crise sanitaire, en faisant plus attention les uns aux autres, surtout envers ceux qui manquent du nécessaire pour retrouver la joie. Demandons au Seigneur, Dieu en trois personnes, de nous donner l'esprit d'unité et d'union, pour qu'ensemble nous œuvrons pour être de véritables enfants de Dieu, que même Père, que nous appelons Abba, comme nous dit la deuxième lecture que nous n'avons pas lue en cette fête de la Sainte Trinité. Prions aussi Marie, en ce jour, en ce mois de mai, pour qu'elle soit toujours celle qui nous confie à Dieu son Père et à Jésus, qui confie aussi nos enfants qui reçoivent leur première communion. Qu'elle intercède pour nous. Et pour finir, je vous guère aussi que nous prions pour nos mamans à qui nous souhaitons bonne fête et qui nous portent, qui souffrent pour nous les enfants. Nous prions surtout pour celles parmi elles qui souffrent à cause de leurs enfants, qui ont des difficultés
celles qui ont perdu un enfant et qui souffrent intérieurement, afin que Dieu soit vraiment leur choix. Et qu'ensemble, que Dieu nous comble toujours, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, redisons ensemble en nous levant notre foi. Je crois en Dieu. En ce jour, nous nous souvenons de Dieu Père, Fils et Esprit. Confions au Seigneur nos intentions et nos prières. Florent, Thibault, Rose, Timéo et Christelle. Présentes ici aujourd'hui, pour nos familles, pour ceux qui n'ont pas pu venir mais qui sont avec nous par la pensée, pour aujourd'hui cette journée importante pour nous. Seigneur, nous te prions, aide-nous à nous soutenir les uns les autres pour que nous surmontions cette période difficile. Nous te prions pour les personnes qui nous ont accompagnés tout au long de l'année de préparation à la communion. Tout simplement une prière, tout simplement besoin de toi, pas qu'on appelle notre mère, besoin de me parler de toi, tout simplement. Seigneur, nous te prions pour les personnes malades, les personnes dont la maladie est invisible, celles qui souffrent en silence. Seigneur, fais qu'elles trouvent en elles la force d'avancer, malgré les difficultés, pour que leur vie soit plus belle et que ces personnes puissent au plus profond de leur cœur trouver la paix. Seigneur, nous te prions pour nous permettre de nous réunir ce jour de première communion et de poursuivre notre route vers la foi. Tout simplement une prière, tout simplement besoin de toi.
Seigneur, nous te prions pour les parents des communiants qui les accompagnent sur le chemin de la foi. Tout simplement, une prière. Écoute la prière qui te présente et donne-lui la joie d'être sauvé. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Thank you.
sacrifices, Seigneur notre Dieu, les sacrifices sur lesquels nous invoquons le nom de Saint, et par cette Eucharistie, fais de nous mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. De te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, qui est un seul Dieu, qui est un seul Seigneur, dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons parallèlement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Création proclame ta louange, car c'est toi qui donne la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne sais que rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et gagne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps, et que son sang est rempli de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Crès et Saint François, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et quand au monde entier, le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, vers sur ton serviteur, le pape François, et leur archevêque Olivier, les évêques auxiliaires, Patrick et Emmanuel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Et toutes les prières de ta famille assemblées devant toi, et toutes les prières que nous offrons aujourd'hui pour nos enfants qui reçoivent leur première communion. Amalia, Clélia, Clémence, Forin, Pierre, Noélie, Rose, Thibault et Kiméo. Et pour les prières que nous t'offrons aussi pour leurs familles, pour nos malades, pour ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre, et pour nos mamans. Et ramène à toi, Père des aimants, pour tes enfants dispersés, pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, donc qui connaissent la droiture, nous te prions. Nous te prions pour les défunts de nos familles, les défunts de nos paroisses, ceux qui ont été enterrés cette semaine. L'enfant Mira Chambre et Cécile Gonnet. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme enfants de mes pères, disons ensemble la prière reçue du Sauveur. Nous demandons aux enfants de venir. Allez. Ensemble alors, prions la prière du Seigneur. Vous pouvez chanter? On peut chanter? Chantons alors le Notre Père ensemble. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos familles, à nos cœurs. Et par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En ce que nous espérons, le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Dans lui toujours cette paix, et ton Dieu la belle, l'unique et parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons un signe de paix et les enfants vous donnez un signe de paix à vos parents. Thank you.
La communion, nous laissons d'abord les enfants passer au milieu. Les autres, on a des gens à côté pour vous. Et pour ceux qui sont au milieu, les enfants passeront d'abord avant que vous tous vous passiez au milieu. Merci beaucoup. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Thank you.
Prions encore le Seigneur. Puissons-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu. Tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir pour les actions de grâce. Pierre, Clémence, Amalia, Clélia, Noélie et Christophe. Seigneur, nous te disons merci pour tout le bonheur que tu nous apportes lors de cette belle et grande journée de première communion. Seigneur, nous te disons merci pour l'enthousiasme de nos musiciens qui a permis de rendre cette célébration encore plus chaleureuse et joyeuse. Merci Seigneur pour l'investissement des accompagnateurs, des parents, des parrains, des marraines et amis auprès de nos enfants. Merci de partager leur joie. Seigneur, nous te disons merci pour nos parents, frères et sœurs, grands-parents, parrains et marraines qui nous ont accompagnés sur notre chemin de foi et tout au long de notre préparation au sacrement de l'Eucharistie. Merci Seigneur d'avoir donné la force et l'énergie nécessaires au corps médical et scientifique pour soigner tous les malades de cette pandémie et travailler sans relâche pour qu'on reprenne une vie la plus normale possible et avoir la joie de nous retrouver ensemble en ce moment si important pour nos enfants. Seigneur, nous te disons merci pour avoir permis à nos enfants de trouver la force et la motivation nécessaires pour préparer leur première communion, malgré la distanciation imposée par la pandémie. Avant la bénédiction finale, je voudrais d'abord remercier nos enfants qui nous ont permis de nous rassembler aujourd'hui dans la joie. Merci à vous pour votre endurance et votre persévérance jusqu'à ce jour où vous recevez pour la première fois la communion de Jésus qui se fait hostie. Essayez les autres fois aussi les dimanches. Papa, maman, je vais aller à la messe aujourd'hui. Vous venez à la messe. Papa, maman, ne veut pas que papa, maman, je vais venir à la messe. Je vais recevoir Jésus. Il a que on soit habitué. Merci à vous, merci vraiment. Et félicitations à vous, les enfants. Je voudrais remercier les catéchistes, l'équipe de l'organisation des premières communions, Elisabeth et toute son équipe pour tous les jeunes. Remercier la chorale, les enfants et leur encadrement. Remercier vous tous, parents, parrains, parrains, la famille, les amis qui sont là aujourd'hui pour soutenir ces enfants. Merci à vous d'être là et merci de continuer à soutenir ces enfants et que le Seigneur nous consolide encore dans son amour, lui qui est Père, Fils et Esprit. Pour ceux de la paroisse, la messe du samedi prochain sera dite encore ici, à Saint-Germain. Ça serait la messe de communion des collégiens de l'aumônerie Jacques-Cœur. Donc, ce n'est plus à Bully, comme c'est prévu, mais ici, à Saint-Germain. Les fêtes paroissiales sont derrière. Vous pouvez la faire jaune. Et pour ce qui me concerne, que vous savez peut-être déjà, je dirai ma messe de revoir le dimanche 4 juillet à La Braye à 10h30.
avant de prendre les fonctions en septembre sur la paroisse Saint-Martin de la Jonquière à Saint-Laurent de Chamoussé. Merci de me soutenir dans vos prières. Merci pour vous tous. Merci à tous et surtout bonne fête à nos mamans. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À vous et bonne fête aux enfants. Vous commandez aux enfants. Avant de sortir, nous allons confier nos enfants à Marie par le chant à Marie. Tu as su dire oui à l'ange des lumières. Nous te saluons, Marie. Nous sommes.